Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un unboxing puisque je ne les ai pas reçus par le facteur. C'est un petit haul, voilà, Diamond Painting. Ce matin, on est parti, nous, vous savez, on habite à la frontière belge, hein, côté français. Et donc ce matin, on est parti au marché faire un tour en Belgique. Donc c'est le marché de Boussu, pour ceux qui connaissent, qui sont dans mon coin. On y avait été juste comme ça pour se balader, puis en même temps j'avais dit je regarderais s'il y a des diamond painting puisqu'ils en vendent sur les marchés hein, maintenant depuis ça fait déjà un petit moment. Et donc ben, on a trouvé notre bonheur, voilà. Donc je vais vous les montrer. Alors aujourd'hui je vais faire un peu autrement, je pense que vous verrez mieux. Je vais d'abord vous les montrer comme ça, les boîtes, et je vous ferai un face bureau pour mieux vous montrer en détail le DP, les DP, parce qu'il y en a deux. On en a pris un pour Chouchou, bien sûr, et un pour moi, voilà. Et puis un petit accessoire, voilà, que j'ai pris en plus. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos les coordonnées de ce vendeur. Ils ont une page Facebook et ils ont un site internet. Donc, même si vous n'êtes pas, habitez pas mon coin, bah, vous pouvez commander chez eux directement sur le site internet. Les DP sont pas chers du tout. Ils sont très beaux. Il y a de très jolis modèles. Vous avez aussi sur ce site une petite partie pour les accessoires. Bon, là, il n'y en a pas énormément, mais il y a, quand on a besoin d'un petit truc, bon, ben, on peut aller voir. Donc, ça, c'est la carte. Bon, vous allez la voir à l'envers, bien sûr, mais je vais vous la remettre en face bureau, enfin, en photo. Et c'est une carte de fidélité. Donc, sur le marché, ils font des cartes de fidélité. Par tranche de 10 euros, on a un petit tampon. Et quand la carte est remplie, ça nous donne un bon de réduction de 10 euros. Donc, voilà, ça nous fait, on peut avoir un DP gratuit quand la carte est pleine. Et il n'y a pas, il faut 10 achats. Voilà, au bout de 10 achats, bah, vous avez 10 euros de réduction. Donc, c'est vraiment bien. Alors, ça s'appelle Fun Mania. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, rien. Non, mais je vous laisse à regarder le site internet et puis de regarder les modèles qu'ils ont. Donc, ils ont des petits. Moi, là, nous, aujourd'hui, on a pris des 40-50. Mais ils ont aussi encore des modèles un peu plus grands. Ils ont des triptyques. Ils ont, voilà, c'est bien achalandé quand même comme site. Et si vous êtes dans mon coin, que vous allez directement au marché de Boussu, il y a du choix également sur leur étal, dans toutes les tailles. Il y a vraiment ce qu'il faut. Ils font aussi des pulls. Ils font des pulls en bois. Et ça, c'est bête, je l'avais pas vu tout de suite, mais la prochaine fois, je me prendrai un pulls en bois. Ils font de la peinture au numéro. Un tout petit peu de broderie. Il y a vraiment pas beaucoup de modèles. Il y a quoi, 6-7 modèles peut-être, mais bon. Si ça peut vous plaire, ben, il y a tout petit peu de broderie. Et le reste du site, j'ai pas regardé, mais il y a d'autres choses hein, sur le site, mais j'ai pas regardé parce que là, ça m'intéressait pas. Mais il y a d'autres choses aussi qui vendent sur le site, voilà, qui n'ont pas à voir avec le diamond painting. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, je vous montre déjà comme ça les boîtes. Alors, il y a des diamond painting emballés dans les sachets transparents. Hein, vous savez, c'est comme on peut, comme ici, voilà. Et ils ont donc les DP, comme là j'ai choisi, emballés dans des boîtes transparentes, voilà, en plastique. Donc nous, c'est cela qu'on a choisi. Pas pour la boîte, hein, c'était pour le modèle qu'on avait choisi, mais c'est tombé que cela était dans une boîte. C'est tous les deux des perles rondes et c'est tous les deux des 40-50 cm. Voilà. Alors, voilà déjà. Alors là, il est dans la boîte. C'est pour ça que je vais enlever de la boîte. Hein. Celui de Chouchou, vous verrez mieux hein, hors boîte. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est une boîte solide hein, en plastique. Donc du coup, ils ne sont pas écrasés, pas abîmés.
Et moi, j'ai choisi celui-là, les petits pandas. Donc, Chouchou, des girafes. Et moi, des petits pandas, la maman avec ses bébés. Voilà. Et en accessoire, j'ai pris un lot de petites boîtes glues. Et j'ai l'impression qu'elles sont bien, bien remplies. On va voir tout ça en détail face bureau. Allez, je vous change le téléphone de place et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà. Ben, je vais d'abord vous montrer les petits accessoires. Alors, attends, je regarde si... Oui, vous me voyez bien. Bon, je vais en ouvrir qu'une, hein, puisqu'elles sont toutes pareilles. Alors là, vous avez cinq petits pots comme là, comme ça, de couleurs différentes. Et alors, on va voir. Voilà. Alors, c'est... Hop, tu veux pas sortir le dernier? Bon, le dernier veut pas sortir. Non, bon, c'est pas grave. Vous voyez, on a quand même... Alors, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 pains de glu ronds dans chaque pot. Souvent, nous, quand on les reçoit, quand on commande sur Internet ou quoi, ben, souvent, on en a un ou deux dedans. Mais là, il y en a 5. Donc, ça, ils sont vraiment bien remplis. Voilà. En forme de petit diamant, hein, comme toujours. Donc, voilà. Là, j'ai eu 5 comme ça. Donc, ça me fait 5 fois 5. Ben, ça me fait 25 pains de glu. Petit rond de glu. J'ai payé ça 6 euros. Voilà. C'est pas... Je trouve pas ça très très cher, mais voilà. Puis bon, j'aime bien là, dans les petits pots comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais me mettre debout, parce que sinon je ne vois pas mon téléphone et je vois pas si vous voyez bien. Vous voyez? Alors, on a un bleu, un jaune, un orange, un rose et un violet. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Alors, voilà la carte. Alors, est-ce que je vous la montre à l'endroit, à l'envers, là? Mais hop, je la mets dans les deux sens, comme ça, je suis sûre. Et derrière, du coup, vous avez, ils vous mettent les petits tampons, vous voyez, pour la fidélité. Alors, ici, le DP à chouchou. Alors, j'aime bien ces boîtes-là. Je vous dis, et même, je les jetterai pas parce que, bon, bah, quand je dois envoyer des DP, justement, pour les concours ou quoi, c'est pratique. Alors, voilà l'image. Alors, je sais pas. Je vais plutôt mettre comme ça, je pense. Voilà, les petites girafes. Alors, il y a des girafes. Il y a un petit lion ou une lionne qui est là dans l'arbre. Il y a un perroquet. Il y a des zèbres. Et tout au fond, il y a un éléphant. Et là, il y a un... Comment s'appelle cette bête-là? Mince, j'ai oublié son nom. Oh, soit. Bon, hop, vous voyez. J'ai oublié le nom de cette bête-là, mince. Alors... On a le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Bon, là, par contre, le petit pain de glu est tout petit, mais bon, c'est pas là. Le petit toolkit, comme d'habitude. Et on a les perles. Donc, ce sont des rondes. Voilà, déjà, les couleurs. Ça, c'est pas noir, hein, c'est marron. Et ils sont en sachet zippé. Alors, j'ai combien de couleurs? J'ai 25 couleurs pour celui-ci. Désolée pour le bruit. Hop, voilà. Alors, je fais déjà... Je vous montre en détail les couleurs. Donc, ça, c'est marron foncé, hein. Si j'enlève le flash, peut-être que vous verrez mieux. Je suis pas sûre, enfin. Voilà. Alors, sur les étiquettes, vous avez le numéro, ben, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous avez... Alors, je pense, c'est quoi ça? Non, c'est pas les références, c'est des autres références. Je croyais que c'était les références... Ah, bah si, elles sont écrites là en petit. Là, par exemple, c'est le 700. Alors, est-ce que...
C'est le 781 et il y a 11 grammes 8 dedans. Voilà, et là, ça doit être la référence du modèle, je pense. Voilà. Joli bleu. Joli bout de bleu. Un jaune cacadois. Ici, un bordeaux. Là, c'est un bleu vert, vert bleu foncé. Un kaki, comme ceci. Un kaki plus clair. C'est vert, hein. On voyait un peu gris, mais c'est vert. Encore un bleu. Ici, un beige clair. Voilà. Ah, ça va, ça fait le point. Alors, vous me direz si, niveau vidéo, la qualité est mieux. J'ai changé de téléphone. Et du coup, vous me direz si vous voyez une différence. Mais là, bon, moi déjà, je pense en voir une, là, puisque ça fait le point direct. Le mien avait du mal à faire le point. Encore un genre de vert kaki. Un gris. Un parme. Encore un vert. Un orange. Un rose. Ah, là, il y a une petite perle qui se promène, mais bon, c'est pas grave. Un bleu. Voilà. Donc voilà les couleurs que l'on a pour ce kit. Donc des jolies couleurs. Il n'y a pas beaucoup de flashy, mais ce sont toutes des couleurs un peu naturelles. Voilà, je remettrai mieux après. Et le kit. Alors, le kit. Là, par contre, je vais avoir du mal à vous le montrer en entier. Je vais vous remettre des photos. Hein. Voilà. Alors, attendez. Hop, on va le glisser sous les pieds de la caméra. Voilà. Voilà le kit. Alors, niveau impression. Alors, je vais vous montrer. Désolée, je vous fais bouger. Mais j'ai mis mon grand pied et... Voilà, niveau impression, oui, c'est nickel. Même quand c'est imprimé en blanc, on voit vraiment très très bien. Alors ici, vous avez le rappel de la petite photo, enfin du modèle. Et vous avez votre légende, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, les symboles et les références DMC ici. Alors, les symboles, ce sont tous des chiffres et des lettres en majuscules. Donc, pas de souci particulier pour se repérer. Même là, vous voyez, alors, hop. Là, un peu, il y a un petit peu de confetti, mais bon, rien de grave. Désolé, hein, là, ça reflète, mais c'est le plastique de... Vous voyez? Et vraiment, tout est tout très très bien imprimé. Même dans le marron foncé, là, vous voyez, on voit bien les lettres blanches. Alors, niveau colle. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de rivière, ils ne sont pas chiffonnés, rien. Regardez, vous voyez, ils sont vraiment dans... Super bien. Bon, là, c'est toujours le plastique hein, qui est toujours mis un petit peu à l'arrache, mais ça, on a l'habitude. Il suffit de bien le remettre. Voilà.
vous retirez par morceaux, puis sinon vous changez le papier et vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Vous voyez, hop, déjà en replaçant. En replaçant, on arrive bien quand je veux. Voilà, on sait déjà bien le remettre, hein. Mais il n'y a aucune rivière. Alors, voilà, ça c'était celui à chouchou. Je vais le ranger après. Et le mien, donc le voici. Donc moi, c'est les petits pandas. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais avec des pandas. Puis je voulais aussi les koalas. Les koalas, ils l'avaient aussi. Mais je dis, bon, on est raisonnable. On n'en a acheté qu'un chacun. Hein. De toute façon, ça ne sert à rien d'en acheter 10 d'un coup. Hein. On a du stock. Allez, sors mon petit. Et donc voilà le dessin du mien. Donc les bébés koalas, la maman koala, un petit papillon là qui se promène. Là aussi, un petit papillon. Voilà. Vraiment très joli. Alors, c'est la même taille. Niveau couleur, il y en a 25 aussi. Hop, bon, le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Ah, je vais remettre celui à chouchou de ce côté-là, sinon j'ai oublié de lui remettre. Alors, moi, bah, j'ai le 300... Ah non, c'est pas du 310. Je croyais qu'il allait y avoir du noir. Peut-être qu'il y en a. Est-ce qu'il y a du noir? Non, il n'y a pas de noir. J'aurais cru avec les pandas qu'il y aurait eu du noir. Mais il n'y en a pas. Alors, ben voilà ce qui remplace le noir. C'est le 930. Voilà. C'est un bleu marine très, 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 très foncé. Il est presque noir. Ici. Donc, vous voyez, les perles sont nickel. Hein. Il n'y a pas de souci. Vraiment, comme ça, à première vue, je ne vois pas de problème. Un petit turquoise. Plusieurs verts. Un petit vert pomme. Pardon, je chale à la gorge. Un oranger. Alors, vous me direz en même temps si cette façon de vous présenter les kits vous plaît mieux, puisque pour voir plus en détail. Comme ça, ben, les prochains, je continuerai à faire comme ça. Ça, c'est couleur vanille. Un beige clair. Encore un vert pomme, mais un peu plus foncé. Un kaki. Kaki plutôt vert gris. Encore un turquoise, c'est un autre. Un gris. Et pour terminer, alors, un bleu marine. Un vert jaune cacadois. Un autre vert. Oh. Allez, fais le point. Voilà. Un bleu. Et terminer avec un bleu ciel comme ceci. Voilà. Alors, je remets tout ça dans le sachet. Donc, des jolies couleurs également. Hein. Et je vous dis, la qualité m'a l'air très bien. Alors, par contre, la marque de ces Diamond Painting, est-ce qu'il y a une marque particulière? Non, c'est juste marqué Diamond Painting. Et derrière, non,
Il n'y a pas de marque particulière. Voilà. Et donc, le kit. Alors, moi, il est dans le sens comme ça. Hop. Voilà. Alors, attendez. Je vais faire comme pour les girafes. Par contre, la prochaine fois, je ne ferai pas avec ce pied-là. C'est plus compliqué que celui-là. Donc, voilà le dessin. Les bébés pandas, la maman, le petit papillon ici. Avec le pied, vous ne voyez pas bien. Et il y en a encore un ici. Oui. Donc, hop. Niveau impression, ben, hein, c'est pareil, vous voyez. C'est vraiment nickel, même ce qui est imprimé en blanc. On voit bien les numéros. Ici, vous avez le rappel du petit dessin du modèle. Et vous avez, comme l'autre, votre légende, 1, 2, 3, les symboles et les références DMC. Et pour la colle, je pense qu'il n'y a pas de problème non plus. Vous voyez? Donc, ils sont vraiment nickel, nickel, nickel. Rien à dire. Oui, non. Regardez, vous voyez, sur l'autre face, on ne voit aucun pli. Hein. Donc, voilà. Les deux kits que l'on s'est offert ce matin, dimanche matin, on se baladait, je vais juste enrouler, j'espère pas que ça prend de la place, voilà, pour nous balader au marché. Donc je vais vous remettre en barre d'infos le lien du site internet, le lien de la page Facebook. Alors ils font plusieurs marchés hein, dans le coin. Moi, je vais qu'à celui de Boussu, mais sur leur page Facebook, j'ai pu voir qu'ils mettaient régulièrement « Aujourd'hui, on est à tel marché. Aujourd'hui, on est là. » Voilà. Donc, si vous habitez près de chez moi, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook pour savoir où ils sont le dimanche, le samedi, le mercredi. Voilà. Sinon, ben, rien d'autre pour le moment. J'ai juste choisi ça, j'ai dit la prochaine fois on verra, bon on n'y va pas tous les dimanches hein. Là ça faisait très très longtemps qu'on n'y avait pas été on n'y va pas toujours, mais là bon ce matin on avait envie, on en avait parlé hier et j'avais parlé ben, justement pour les diamond painting, je voulais voir ce qu'il y avait sur le marché. Donc voilà, on a trouvé notre petit bonheur. Il y avait des autres kits qu'on aurait voulu, mais bon, comme j'ai dit, on ne les a pas tous pris aujourd'hui. Je vous ai pas donné le prix. Alors, ceux-là, en 40-50, dans les boîtes plastiques comme ça, ils sont à 10 euros. Voilà, donc ça va, hein, ils sont vraiment pas chers du tout. Et je vous dis, les plus chers de mémoire, ce que j'ai pu regarder sur le site, je crois, et que j'ai vu sur le marché, de mémoire, ça doit être 15 euros, je crois. Voilà, mais des très grands et 20 euros, je pense. Je n'ai pas mémoire que j'ai vu à 20 euros, mais je crois que c'est le plus cher, c'est 15 euros. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du choix que nous, on a fait également. Et dites-moi surtout si vous voulez que je fais mes vidéos de présentation comme je viens de faire aujourd'hui pour que vous puissiez mieux voir en détail les perles, le kit, voilà l'impression du kit. Dites-moi si ça vous plaît et dites-moi si la qualité est meilleure avec mon nouveau téléphone. Voilà. je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche à tous, puisque là, on est dimanche et la vidéo sera en ligne aujourd'hui. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.